La circulation est à l'arrêt devant moi. Je m'arrête. Derrière le véhicule. Réponse A. Immédiatement. Réponse B. Donc ici, nous sommes face à une intersection et devant nous, donc, la circulation est arrêtée. On le voit grâce au feu stop de cette voiture d'allumée. Alors, est-ce que je vais m'arrêter où je suis? Ou je vais avancer jusqu'à derrière cette voiture? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais encombrer une intersection, c'est-à-dire de s'arrêter dans une intersection. Pourquoi? Bah, il faut laisser libre le passage. Vous voyez, par exemple, si un véhicule arrive en face et souhaite tourner ici, bah, il faut laisser libre le passage. Pourquoi je vais bloquer ce véhicule qui souhaite tourner? Alors que ce n'avance pas devant, même chose si quelqu'un qui sort d'ici, au moins si elle tourne sur sa gauche, elle va pouvoir passer. Donc on s'arrête immédiatement une fois que la circulation repart. Là, on va pouvoir s'engager. Donc je m'arrête immédiatement, réponse B. Pour stationner, je devrais tenir compte de la date. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du numéro des maisons. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on arrive dans une zone où le stationnement donc se fera alternant semi-mensuel. Alors comment savoir ça? Parce que c'est inscrit 1, 15, 16, 31. Alors est-ce que je vais devoir tenir compte de la date? Donc oui, pour savoir où je me situe dans le mois. Est-ce que je me situe dans la première quinzaine, c'est-à-dire entre le 1 et le 15 du mois, ou le 16 et le 30 ou 31 du mois? Donc il faut savoir la date, il va falloir aussi savoir le numéro des maisons. Donc ça, il va falloir regarder sur les maisons quel numéro. Alors pourquoi c'est important les numéros? Parce que suivant là, si on est situé au niveau de la date du mois, pour la première quinzaine, on va stationner du côté des maisons qui portent le numéro impair, c'est-à-dire 1, 3, 4, 5, etc. C'est inversement, on est compris entre le 16 et le 31 du mois, on va stationner du côté des numéros pairs, des maisons, c'est-à-dire 2, 4, 6, etc. Donc là, forcément, par exemple, sur cette photo, on va pas pouvoir savoir de quel côté on va stationner. Même si pendant qu'on dit qu'on est le 10, donc on est situé entre le 1 et le 15, donc ce sera du côté du numéro impair. Mais nous ne sachons pas, voilà, le numéro des maisons. On ne sait pas si on va stationner à gauche et à droite. Donc, par contre, on verra un 2, un 4, etc. Si on sera dans la première quinzaine, alors les véhicules seraient du bon côté, c'est-à-dire de l'autre côté du numéro pair. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir la date, pour savoir dans quelle quinzaine on se trouve. Et aussi le numéro des maisons pour savoir de quel côté stationner, suivant la quinzaine qu'on est. Donc, bonne réponse A et C. Pour une bonne efficacité, la ceinture de sécurité doit passer sur le cou, réponse A, la clavicule, réponse B, les os du bassin, réponse C. Alors, la ceinture de sécurité doit passer par où? Donc déjà, elle doit passer, bien sûr, pour les hauts du bassin. Donc forcément, pour bien maintenir, donc généralement, elle s'attache ici et ensuite, elle doit passer par la clavicule et non le cou, puisque sinon, ça va couper forcément en cas de choc. Ça va couper. Donc, bonne réponse, c'était B et C. Ce voyant indique une surchauffe du moteur.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Indique le fonctionnement de la climatisation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'indique ce voyant? Donc, ce voyant, ça n'indique pas une surchauffe moteur ni le fonctionnement de la climatisation. Alors, qu'est-ce que ça indique? Ça indique le fonctionnement du dégivrage ou désembouillage de la vitre arrière. Alors, une surchauffe du moteur, donc ce sera signalé par exemple par rapport à ce symbole-là. Donc, soit ce sera l'aiguille, sera dans la zone rouge. Et on aura un voyant rouge comme celui-ci qui va s'allumer si ça surchauffe du moteur. Et le fonctionnement de la climatisation, donc ça c'est plus généralement, donc au niveau du boîtier où on actionne le bouton, on actionne la climatisation, c'est un voyant qui s'allume au niveau de ce bouton pour dire que la climatisation est en marche. Donc ni l'un ni l'autre, donc bonne réponse B et D. Ne pas utiliser les clignotants dans un rond-point peut être une cause d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans un rond-point, bien sûr, il faut bien utiliser les clignotants et bien les utiliser aussi correctement. Donc, bien sûr, les clignotants, ça sert à indiquer aux autres ce qu'on va faire. Donc, si jamais on n'indique pas, les autres vont être surpris. Donc, c'est là qu'il peut y avoir forcément un accrochage. En même temps, si on les utilise mal, par exemple, ce véhicule met son clignotant à droite, on va croire qu'il va sortir la prochaine sortie. Mais s'il continue toutefois, les véhicules peuvent s'engager. Là, il y aurait accident aussi. Donc, c'est pour ça, c'est impératif de bien mettre les clignotants. Donc, pour avertir les autres et pour ne pas les surprendre. Donc, oui, ça peut être une cause d'accident. Bonne réponse A. Avant de prendre son véhicule, il est préférable d'en faire le tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de prendre son véhicule le matin, la première fois, donc il faut mieux faire le tour de son véhicule. Alors, en quoi consiste ce petit tour? Bon, pour voir s'il n'y a pas des anomalies. Donc, on n'aurait pas vu, par exemple, la veille ou juste avant de partir avant. Donc, par exemple, un pneu peut-être dégonflé. On peut avoir une crevaison. Voilà, donc faire le tour, voir s'il n'y a pas d'anomalie particulière sur la voiture. Donc avant de démarrer, donc il est préférable bien sûr, parce que si on part la voiture pendant un pneu qui est dégonflé, ça peut être très embêtant, par exemple au niveau de la tenue de route, ce qui peut causer un accident. Donc oui, un petit tour avant de prendre son véhicule, c'est préférable. Bonne réponse A. Je peux suivre ce véhicule qui dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je peux suivre ce véhicule qui dépasse? Donc, avant d'effectuer un dépassement, qu'est-ce qu'il faut toujours faire? Il faut toujours vérifier si on a le droit de dépasser. Forcément, si on n'a pas le droit, on ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qui nous donne le droit ou pas de dépasser? Donc, c'est la signalisation. Donc, c'est soit des panneaux, là, en l'occurrence, on n'a aucun panneau ou le marquage au sol. Donc forcément, c'est la ligne centrale qui va nous dire si oui ou non on a le droit de dépasser. Et là, on a des pointillés.
Donc, on a le droit de dépasser. Deuxième chose donc à vérifier, donc c'est j'ai une bonne visibilité vers l'avant. Donc là, on voit apparemment qu'il n'y a personne qui arrive en face. Mais est-ce que je peux suivre ce véhicule? Donc, quand on est en double sens de circulation, ce qui est le cas ici, parce qu'on a des pointillés, je vous rappelle, si on sera en sens unique, on aura une ligne blanche continue ici. Donc, comme on est en double sens de circulation, il faut jamais se mettre derrière un véhicule qui dépasse. Pourquoi? Bah parce qu'une fois qu'on se trouve derrière ce véhicule, on ne voit pas ce qui se passe devant. Donc là, à travers les véhicules, je vois qu'il n'y a personne au moment où je me mets à dépasser. On a un véhicule qui peut surgir en face. Donc ce véhicule a sûrement le temps pour dépasser. Mais si moi je me mets derrière, je ne pourrai pas juger si j'ai toujours le temps ou pas. Donc forcément, c'est beaucoup trop dangereux. Donc avant d'effectuer un dépassement, je vais attendre que ce véhicule ait fini le sien pour avoir vraiment la vision libre sur cette voie. Donc jamais suivre en double sens de circulation un véhicule qui dépasse. Donc bonne réponse B. Dans cette situation, je dépasse. Réponse A. Je patiente. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Donc là, nous nous trouvons juste derrière donc les éboueurs pour le ramassage du poubelle. Donc forcément, donc ils vont mettre un petit temps donc pour ramasser justement ces poubelles. Alors qu'est-ce que je fais dans cette situation? Alors vous savez, dans ces situations, on est tenté de dépasser. Là, le problème du dépassement, c'est que on a une très mauvaise visibilité. Si jamais on s'engage ici dans le virage, au moment où il y a un véhicule qui est surgi, forcément, peut-être très dangereux. Donc là, dans cette situation, on ne dépasse pas. Est-ce que je klaxonne? Donc non, ils font leur travail. Voilà, ils nous gênent, ok, mais ils font leur travail. De toute façon, ils ne vont pas être très longs à enlever ces poubelles. Donc là, la meilleure solution, c'est de patienter. Ça va durer 20-30 secondes, pas plus. Donc, il vaut mieux perdre 30 secondes que forcément causer un accident. Et voilà, ça sert à rien de klaxonner. Ils vont aller plus vite pour autant. Donc, dans cette situation, je patiente. Et si plus loin, j'aurai une bonne visibilité pour dépasser. Là, j'effectuerai mon dépassement. Mais pour l'instant, c'est trop dangereux. Donc, je patiente tranquillement. Bonne réponse, B. Le mélange alcool et médicaments augmente les risques au volant. Réponse A. Diminue le temps de réaction. Réponse B. Améliore les réflexes. Réponse C. Alors, le mélange alcool et médicaments, donc forcément, ça multiplie les risques d'accident, bien sûr. Donc, faut jamais aller, donc ça augmente considérablement les effets de l'alcool et les médicaments. C'est un mélange explosif, malheureusement. Donc, ça augmente bien sûr les risques d'accident au volant. Alors, est-ce que ça diminue le temps de réaction? Alors, attention toujours à ces questions entre les termes augmente et diminue. Généralement, on sait la réponse, mais si on répond trop vite, on risque de comprendre la question à l'envers. Donc là, on augmente bien le risque d'accident. Donc on va mettre où il y a plus de risques. Alors, est-ce que le temps de réaction va diminuer? Donc non, c'est le contraire, ça va augmenter le temps de réaction. Il faut mettre plus de temps à réagir. Ce n'est pas parce que je prends l'alcool ou des médicaments que je vais me mettre moins de temps à réagir. Le temps de réaction va augmenter, donc diminue.
Non, est-ce que ça améliore les réflexes? Non plus. Donc, il n'y avait qu'une bonne réponse. C'était A. Ça augmente les risques au volant. Donc, bonne réponse A. En période probatoire, j'ai 8 points sur mon permis. Je dois faire un stage de sensibilisation si je perds en une infraction. 2 points, réponse A. 4 points, réponse B. 6 points, réponse C. Alors, en période probatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, période probatoire? Ça veut dire qu'on est jeune permis. Donc, jeune permis, donc j'ai 8 points sur mon permis. Donc là, c'est au bout d'un an. Je vous rappelle, si on commet aucune infraction, on récupère 2 points si on est dans la formule traditionnelle. Donc, j'ai 8 points sur mon permis. Est-ce que je suis obligé de faire un stage? Si on a une infraction, je perds combien de temps? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est jeune permis en période probatoire, c'est en une infraction, je perds 3 points au plus. Je suis obligé d'effectuer un stage en dessous, sans mon bon vouloir, mais 3 points au plus, c'est en une infraction, obligé d'effectuer un stage. Donc, 2 points, je ne suis pas obligé parce que je dois faire un stage. Donc, c'est une obligation à 4 points, forcément, je suis supérieur à 3 points. Donc, je suis obligé à effectuer un stage et 6 points aussi. Donc, je vous rappelle, sinon, ce stage permet de récupérer 4 points. Donc, bonne réponse, B et C. Je peux circuler tout feu éteint, réponse A, en feu de position seul, réponse B, en feu de croisement, réponse C, en feu de route, réponse D. La nuit, lorsque l'éclairage public est continu et permet de voir à une distance suffisante, le conducteur doit circuler soit avec les seuls feux de position, soit avec les feux de croisement. Il est donc interdit de circuler sans feu et avec les feux de route. Bonne réponse, B et C. Question numéro 12. Nous sommes le 12 du mois. Je stationne à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je stationne directement à gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau interdit le stationnement du côté où il est implanté à partir du signal et jusqu'à la prochaine intersection du 1er au 15 du mois. Le 12 du mois, je vais devoir aller stationner de l'autre côté de la rue. Toutefois, dans les rues à double sens, je ne peux pas traverser les voies pour stationner directement du côté gauche. Je vais donc profiter d'une intersection pour faire demi-tour et venir stationner comme le véhicule à gauche. Bonne réponse, B et D. Question 13. Si je conduis une voiture sans être titulaire du permis de conduire, je risque une amende de 1 500 euros. Réponse. Une amende de 15 000 euros. Réponse B. Une peine de prison. Réponse C. Une exclusion de l'assurance en cas d'accident. Réponse D.
conduire sans être titulaire du permis de conduire est considéré comme un délit passible de prison. Cette infraction est punie d'une amende pouvant atteindre 15 000 euros maximum et peut entraîner l'exclusion de la garantie d'assurance en cas d'accident. Vous seriez alors dans l'obligation de réparer pécuniairement les dommages matériels ou corporels causés à autrui. Réponse B, C et D. Question 14. Je dois marquer un arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je céderai le passage à gauche et à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les ronds-points sont équipés de panneaux « Cédez le passage » qui ne vous obligent pas à marquer l'arrêt sauf si un véhicule arrive sur votre gauche. Contrairement au panneau « Stop », l'arrêt n'est pas systématique. Vous n'aurez pas à céder le passage à droite, sauf cas de danger, mais uniquement au véhicule déjà engagé sur l'anneau, c'est-à-dire venant de gauche. Réponse B et D. Question numéro 15. Cette file de véhicules ralentit. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il y a un ralentissement dans la circulation puisque les véhicules devant moi ont leur feu stop allumé. Cependant, bien que cette file de véhicules ralentisse, je n'ai pas le droit de dépasser, puisque la ligne mixte présente une ligne continue de mon côté. Cette ligne est infranchissable. Bonne réponse. B. Question numéro 16. Je suis bien placé pour dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour circuler à la vitesse maximale autorisée? Oui, réponse C. Non, réponse D. Même si je circule sur une chaussée à sens unique, comme l'indique la ligne continue à gauche et le terre-plein central, je dois, en marche normale, circuler dans la voie la plus à droite. Pour dépasser les usagers plus lents, je dois utiliser cette voie, quelle que soit la vitesse autorisée. La voie la plus à gauche ne doit être utilisée que si les autres voies sont encombrées, ce qui n'est pas le cas ici. Bonne réponse, B et D. Question numéro 17. Ce panneau annonce une voie obligatoire pour les véhicules circulant à 50 km/h, réponse A, 60 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C. Ce panneau annonce à 200 mètres une voie réservée aux véhicules lents. Sont considérés comme véhicules lents tous les véhicules qui ne peuvent circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h.
Cette voie, matérialisée au sol par des traits larges et rapprochés, est généralement implantée sur les chaussées à forte pente. Bonne réponse, A et B. Je continue. Réponse A ou je m'arrête. Réponse B. Vous arrivez à un rond-point, mais les travaux doivent vous obliger à prendre en compte le feu tricolore qui permet une circulation alternée. Le feu orange fixe vous oblige à vous arrêter. Réponse B. La signalisation indique une circulation à double sens. Réponse A. Une réduction du nombre de voies. Réponse B. Une chaussée rétrécie des deux côtés. Réponse C. Ces panneaux indiquent la réduction du nombre de voies sur une route à chaussée séparée ou sur un créneau de dépassement à chaussée séparée. Les panonceaux situés au-dessous précisent la distance nous séparant de l'endroit où s'applique cette indication. La chaussée sur laquelle je circule, qui bénéficiait jusqu'alors de deux voies affectées à mon sens de circulation, ne comportera plus à 400 mètres qu'une seule voie. Bonne réponse. B. Question numéro 20. À 500 mètres, l'accès est interdit aux véhicules dont le poids est supérieur à 3 tonnes 5, réponse A, ou est inférieur à 3 tonnes 5, réponse B. Je dois faire demi-tour à la prochaine intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un panneau rond bordé de rouge indique une interdiction. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules ou ensembles de véhicules dont le PTAC, poids total en charge, ou le PTRA, poids total roulant autorisé, excède 3 tonnes 5. Le panonceau précise que cette interdiction prend effet à 500 mètres. Au volant d'une voiture particulière, ce panneau ne me concerne pas. Je n'aurai pas à faire demi-tour. Bonne réponse, A et D. Après cette signalisation, je céderai obligatoirement le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une entrée d'agglomération. Au-dessus est posé un panneau indiquant la perte du caractère prioritaire de la route dès l'entrée de l'agglomération. Une signalisation appropriée sera mise en place et me renseignera sur le régime de priorité que je rencontrerai à la prochaine intersection. Je ne céderai pas obligatoirement le passage à droite à la prochaine intersection. Bonne réponse. B.
Ce panneau signale une priorité à droite, réponse A, une priorité ponctuelle, réponse B, une fin de route à caractère prioritaire, réponse C, une route à caractère prioritaire, réponse D. Ce panneau signale que je dois céder le passage à droite à la prochaine intersection. Une priorité ponctuelle est annoncée par ce panneau de danger. Il signale que j'aurai la priorité à la prochaine intersection uniquement. Une fin de route à caractère prioritaire est indiquée par ce panneau. Enfin, ce panneau indique une route à caractère prioritaire. Je serai donc prioritaire à plusieurs intersections. Bonne réponse, D. Question numéro 23. La distance de sécurité est suffisante? Oui, réponse A. Non, réponse B. À 130 km/h, je dois laisser au moins 78 mètres? Réponse C, 60 mètres. Réponse D. Lorsque deux véhicules se suivent, le second doit toujours laisser un intervalle appelé distance de sécurité. Cet intervalle doit lui permettre d'éviter le véhicule qu'il précède en cas de freinage brusque. Quelle que soit l'allure, cet espace doit toujours être égal à 2 secondes. Ici, je circule sur autoroute à 130 km/h. Pour calculer approximativement la distance parcourue en 1 seconde, on multiplie par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse. Pour obtenir l'intervalle de sécurité, on multiplie ce résultat par 2 pour 2 secondes. Dans le cas présent, je dois laisser environ 78 mètres entre le véhicule qui me précède et moi-même. Actuellement, je dispose au maximum de 25 mètres. Je ralentis. Bonne réponse, B et C. Question 24. Pour tourner à gauche, je dois céder le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous abordez une intersection sans signalisation. Par conséquent, vous devrez dans tous les cas appliquer la règle de la priorité à droite et céder le passage aux usagers arrivant de droite. En outre, lorsque vous souhaitez tourner à gauche à une intersection, vous devez laisser passer les usagers arrivant en sens inverse. Réponse A et C. Question 25. En cas d'incendie, il est préférable de faire demi-tour. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En cas d'incendie, il faut immobiliser votre véhicule le plus à droite possible ou dans un emplacement d'urgence. Il faut ensuite évacuer par l'issue de secours la plus proche
signalés par des panneaux ou un marquage sur la paroi du tunnel. Réponse B. Je passe, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. Cette signalisation temporaire est mise en place lorsque des travaux sont en cours sur la chaussée. Le feu jaune clignotant, en remplacement du feu vert, réglemente la circulation alternée. Ce feu tricolore passera prochainement au jaune fixe, puis au rouge. Dans le cas présent, la signalisation m'autorise à passer avec prudence. Bonne réponse. A. Tout clignote. Je passe en cédant le passage aux usagers venant de droite. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Lorsque les feux clignotent ou s'ils sont en panne, je dois appliquer la règle qui est alors éventuellement donnée par la signalisation d'intersection. Ici, aucune signalisation n'indique la règle de passage à appliquer à cette intersection. Je laisse donc passer les usagers venant de droite. Question numéro 28. Pour faire un arrêt, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place le long du trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette voie, délimitée par des traits larges et discontinus, matérialise une bande cyclable. Réservée à la circulation des cycles, le stationnement, comme l'arrêt, y sont interdits. En revanche, les marques à droite délimitent des emplacements pour stationnement. Pour faire un arrêt, je me place le long du trottoir. Bonne réponse, B et C. Question 2. Je peux stationner à droite pour me reposer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous circulez en agglomération. Le marquage au sol situé à votre droite délimite des places de stationnement sur lesquelles vous pouvez vous arrêter ou stationner. Pour ne pas surprendre l'usager qui vous suit, indiquez votre intention de vous arrêter et ralentissez progressivement. Réponse A. Ces panneaux annoncent un passage d'animaux domestiques, réponse A, une succession de virages, réponse B, un passage d'animaux sauvages, réponse C, une chaussée glissante, réponse D. Ces panneaux de danger, placés hors agglomération, annoncent à environ 150 mètres une succession de virages dont le premier est à gauche et un passage d'animaux sauvages. Les panonceaux précisent que les dangers s'étendent sur une distance de 2 km. Bonne réponse, B et C.
Question 5. Pour aller à Mont-de-Marsan, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux encore prendre la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. La direction de Mont-de-Marsan est indiquée sur le panneau de signalisation avancée qui signale la prochaine sortie. Mais une ligne de dissuasion placée au niveau de la sortie interdit tout rabattement sur la voie de droite. De plus, un véhicule circule sur la voie de droite. Je ne peux pas lui couper la route. Je dois donc renoncer à suivre cette direction et faire demi-tour à la sortie suivante. Réponse B et D. Question numéro 32. Avant de tourner à gauche, je devrais céder le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une route à double sens de circulation. Je me situe à hauteur d'un carrefour aménagé à l'indonésienne. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche à cette intersection. Pour tourner à gauche, je devrais traverser la voie des véhicules circulant en sens inverse. Je dois donc céder le passage aux usagers pouvant arriver en face avant de m'engager. Bonne réponse. Question numéro 33. Je circule à 100 km/h. La distance de sécurité est suffisante? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. La distance de sécurité est la distance minimale à conserver avec le véhicule qui me précède lorsque je roule à la même vitesse que lui pour éviter une collision si celui-ci freine brusquement. Cette distance doit correspondre à la distance parcourue par mon véhicule en 2 secondes. 1 seconde de temps de réaction et 1 seconde de marge de sécurité. Je peux calculer approximativement la distance nécessaire selon la vitesse du véhicule. Pour cela, je multiplie par 6 la dizaine de la vitesse. Je dois donc, à 100 km/h, conserver une distance de 60 mètres avec le véhicule qui me précède. La distance de sécurité est suffisante. Je n'ai pas à ralentir. Bonne réponse, A et D. Question numéro 34. J'utilise les feux de position seule, réponse A, de croisement, réponse B, de route, réponse C. Sur chaussée non éclairée, je dois circuler en feu de route pour voir le plus loin possible. Toutefois, je dois passer en feu de croisement dès que je croise ou suis un autre usager. Ici, je croise un piéton. Je dois donc utiliser les feux de croisement pour ne pas l'éblouir. Je repasserai en feu de route dès que je l'aurai croisé. Bonne réponse. B.
Question 35. Je dois rouler à 130 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À cette allure, la distance d'arrêt est de 78 mètres. Réponse C. 169 mètres. Réponse D. Sur autoroute, lorsque les conditions météorologiques sont optimales, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Par temps de pluie, elle est abaissée à 110 km/h. Cependant, si les conditions de circulation l'exigent, vous devez rouler au-dessous de la vitesse maximale autorisée. Vous pouvez estimer approximativement votre distance d'arrêt en multipliant le chiffre des dizaines de votre allure par lui-même, soit ici 13 multiplié par 13 égale 169 mètres. Réponse B et D. Question 36. Je maintiens mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Vous êtes prioritaire car les usagers arrivant de droite ont un cédé le passage. Néanmoins, par mesure de sécurité, il est préférable de ralentir, ce qui vous permettra de pallier d'éventuelles erreurs des autres conducteurs. Réponse B. Question numéro 37. Dans cette situation, je tiens compte du feu, réponse A, ou du panneau, réponse B. Lorsque les feux de l'intersection fonctionnent normalement, je dois tenir compte des indications donné par ces feux. Ce feu vert autorise le passage. Mais je passe prudemment tout en surveillant l'attitude du piéton sur le trottoir. Bonne réponse. A. Question numéro 38. Je circule sur autoroute. En tant que conducteur novice, ma vitesse est ici limitée à 110 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une autoroute comme me l'indiquent les panneaux bleus au loin. D'après la réglementation générale, la vitesse y est limitée à 130 km/h pour les conducteurs expérimentés et abaissée à 110 km/h pour les conducteurs novices. Attention! Lorsque la vitesse sur autoroute est abaissée à 110 km/h, les conducteurs novices doivent réduire la leur à 100 km/h. Question numéro 39. Je circule sur la route départementale numéro 80. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau annonce les directions desservies à la prochaine intersection. Le registre supérieur précise la distance restante à parcourir jusqu'à l'échangeur, soit 800 mètres. L'encart jaune indique que je vais rencontrer la départementale numéro 80. Le registre inférieur annonce les directions desservies par cette départementale numéro 80. Bonne réponse. B.
Question numéro 40. Ce feu concerne exclusivement les bus. Réponse A. Les bus et les véhicules d'intérêt général prioritaire. Réponse B. Quels sont les véhicules d'intérêt général prioritaire? Il s'agit des véhicules de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, du SAMU, du SMUR, ou encore des transports de détenus. Ces usagers peuvent emprunter les voies réservées s'ils sont en intervention, dispositifs sonores et lumineux bleus allumés. Certains feux s'adressent uniquement à certaines catégories d'usagers. Si les véhicules d'intérêt général prioritaire sont en action, ils peuvent tout faire pour circuler le plus facilement possible. Je dois être vigilant et leur céder le passage. Bonne réponse, B. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici.